Écran large avec Thierry Genovès. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovès sur RCN. Bonsoir à tous, ce soir on reçoit un globe-trotteur de la photo, un homme passionnant qui a traversé le globe, à travers ses pérégrinations à travers le monde. Il est né à Paris, mais a travaillé longtemps à Tahiti dans son magasin photo à la base, mais il a été photographe assidu pour beaucoup de stars du cinéma, de la chanson et bien d'autres grâce à de multiples contacts avec qui il a entretenu de très belles relations. Il a travaillé avec des hommes politiques, il nous racontera ça, mais Christian Pinson est avant tout un grand relationnel. Il continue ses passions et il vient même de décider d'écrire ses mémoires à travers un livre. Ses rencontres sur toutes ses personnalités, quand on voit ses relations, elles sont très éclectiques. Il nous surprend à chaque fois dans ses dires et sa passion pour le 7e art est grandiose. Il en connaît un rayon sur nos stars planétaires. On va se passionner pour sa vie dans quelques instants. Vous allez entendre la BO de Mon nom et personne, composée par Ennio Morricone en 73. Écran large avec Thierry Genovès. Bonsoir mon cher Yossi, bonsoir Christian, on est content, très heureux de te recevoir chez nous à Radio Shalom, car ta carrière est riche en rebondissements, nous on se connaît depuis longtemps. À toi mon cher Christian, de nous dire un petit mot de présentation. Bonsoir, je suis très heureux d'être là, et surtout que l'on prête attention à un métier de photographe, parce que les images ça passe vite. Dans un journal, il faut savoir qui fait les photos, à condition qu'on baisse la tête ou que... à gauche, et là on voit le nom du photographe, donc finalement les photographes ne sont pas très connus, mais quand on s'intéresse à moi, ça me fait assez plaisir, surtout que ça fait longtemps que j'essaie de pratiquer ce métier. D'accord. J'y suis un peu arrivé. Oh, bah, quand même, ça fait un moment même. Pourquoi ce choix musical? Bah, parce que ce film avec Terence Hill que j'adore, j'aimerais bien le rencontrer d'ailleurs, il y avait aussi Henri Fonda, la musique est extraordinaire. Mais c'est quand même la fin d'une carrière d'un homme de l'Ouest et qui va vers l'Europe, qui retourne vers l'Europe. Et en plus, il y a des histoires à l'intérieur. Bon, il y a cette fabuleuse bataille avec cette espèce de horde sauvage. Et il y a aussi un ami que j'ai rencontré à plusieurs reprises, c'est Marc Mazza. Et lui, il prend beaucoup de claques dans ce film. Ah, oui. Et il en a pris des vrais et souvent pour répéter les scènes. Voilà, donc c'est un peu ce qui fait que Fonda et Terence Hill, tous les deux, et la musique d'Ennio Morricone aussi. Bien sûr. Alors, d'où viens-tu à la base? Tu es né où? Non, je suis né à Versailles, et déjà dans les années 65, j'essaye de faire des photos de gens connus. J'ai eu la chance de... J'allais très jeune sur les champs de course à Paris, à Longchamp, à Vincennes,
Et il y avait un jockey qu'on m'avait présenté et j'avais fait son mariage. Alors donc, une personnalité, à l'époque, hein, 63-65. Mais après, les spectacles qui avaient lieu dans la région parisienne, la région de Versailles, j'y allais, je rentrais par les coulisses facilement, où je demandais, j'avais une carte de presse des nouvelles de Versailles, et on me faisait rentrer dans les coulisses, le pompier de service me saluait, il n'y avait pas besoin de badge, pas besoin d'email, pas besoin de bracelet, et on accédait aux gens. Il faut dire, on n'était pas 15 ou 20 photographes ou 50. D'accord. L'école, ça se passe bien ? Ça se passe assez bien, mais dans un domaine technique, ni dans le domaine des bonnes mathématiques, ni en philosophie, ni... Mais ceci dit, généraliste, ça va, j'avais assez bien suivi. D'accord, formation professionnelle, d'office photographe ? Non, j'avais... Non, j'ai fait une école dans les moteurs d'aviation, c'était la SNECMA. Ah oui, bien sûr. Maintenant, ça s'appelle Safran, et alors... qu'est-ce qu'ils fabriquent comme moteur ? D'accord. Dans les 2200 commandes en... oui, je peux vous en parler. Dans les 2200 commandes actuelles pour tous les avions du monde. D'accord. Et alors, donc, après avoir croisé à Versailles sur des tournages, mais très très peu, juste une scène, deux acteurs, Ravalon, un Italien célèbre, et Eddie Constantine, donc je me suis dit que c'était bien de voir les éclairages et tout, et que ça valait des photos. Mais à cette époque-là, je n'avais pas d'appareil photo. D'accord, mais justement, comment arrives-tu dans la photo ? Eh bien, en m'achetant un appareil photo à 250 francs. D'accord. Voilà, alors que d'autres avaient les moyens, ils avaient acheté un Canon à 500 francs. Ah oui, c'est pas le même prix. Et là, je me balade dans des salles de spectacle, et de 65 à 71-72, j'arrive à accéder dans les années 71 sur les plateaux de télé, où se tournent les émissions des Carpentiers. Ça commence là. Maritier Gilbert Carpentier. D'accord. Et j'accède aussi des fois à des studios avec Jean-Christophe Averty et ses émissions qui s'appelaient, je crois, Les Raisins Verts ou autres. D'accord. Et là, je vois la technique. C'est-à-dire, après avoir vu des éclairages dehors, je m'aperçois de la technique du fond vert, je crois, à l'époque, qui est devenu fond bleu maintenant, pour ajouter des images. D'accord. Et Jean-Christophe Averty le faisait dès les années 70 très très bien. D'accord, tout ça sur Paris, hein ? Oui, Paris, région parisienne, Versailles, ou alors à la télé au Butte-Chaumont, ou alors sur des salons, par exemple le salon du jouet, où là je rencontrais un réalisateur qui me précisait qu'il réalisait l'émission avec Jacques Martin et Daniel Gilbert, et c'est là que j'ai pu assister en entrant facilement. On m'a demandé, vous venez quoi voir qui ? Le réalisateur, bon d'accord, rentrez. Et donc là, j'ai rencontré Jacques Martin pour la première fois, et Daniel Gilbert aussi, et il m'en reste quelques belles photos en noir et blanc. D'accord. Alors justement, pourquoi ce départ dans les îles ? Bien, en 74-75, j'avais fait beaucoup de choses. J'avais connu Claude François parce que j'avais un ami photographe qui y était. Il me faisait travailler des fois. Ça me faisait sortir aussi du côté des cabarets à Paris. Bien sûr. Et j'allais faire des chanteurs, et les photos paraissaient dans Podium. Et en 75, j'avais fait un peu le tour, c'est-à-dire j'allais sur des circuits automobiles. Oui, j'ai quand même fait les plateaux de télé pendant un an et demi, donc c'était assez... Ah oui, quand même. Et puis, il y avait un club aussi à Versailles, le Zécris. D'accord. Par les deux, qui accueillait aussi bien les Charlots, Gérard Lenormand ou autres. Alors bon, c'était un club, une boîte de nuit, donc c'était un accès facile. Et Congas avec Céron faisait également partie des habitués, et donc j'ai connu Céron au tout début, où pour un spectacle, Congas demandait 1250 francs. D'accord. Céron qui vient de sortir sa biographie, d'ailleurs. Ben oui, j'aurais pu lui donner des photos, d'ailleurs. D'accord. Vous allez entendre la BO du Pont de la Rivière Kouai, composée par Malcolm Arnold en 1957.
Alors explique-nous tes rencontres à Tahiti, dans le monde aussi artistique, bien sûr. Bah, avant cela, le gala d'union des artistes qui existait aussi en 71 me permet d'aborder vers des personnes qui s'appellent Maria Callas, qui s'appellent Jean-Pierre Cassel, qui s'appellent ce réalisateur italien exceptionnel et autres. Fellini. Donc, non. D'accord. D'accord. C'est pas grave. Nous y reviendrons. C'est pas grave. Et puis, par exemple, dans cette édition de 71, nous avions Juliette Gréco qui rentrait quand même dans la cage au lion. Donc, c'était quand même déjà un spectacle où les gens se donnaient à fond, même aujourd'hui, si maintenant ça continue et que d'autres se mettent en danger avec toutes les garanties possibles, plus ou moins. D'accord. Maintenant, c'est vrai que rencontrer des fois Mireille Mathieu au tout début, croiser au stade Roland-Garros pour un match de boxe entre Boutier et Carlos Duran, Delon, Darc, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, ouais. Ce sont aussi des moments assez fantastiques, même si c'est furtif. Aujourd'hui, j'ai encore ces photos, donc ces rencontres, elles durent. Maintenant, bien sûr. Ma carrière m'ayant emmené dans pas mal d'endroits, je retrouvais Alain Delon, je retrouvais Mireille Mathieu, je retrouvais Annie Cordy, que j'avais photographié justement, avec Rav Vallon, que je retrouvais encore au Gala de l'Union des Artistes. D'accord. De 71. Une année fabuleuse. Donc ça t'amène à Tahiti après ? Oui, parce que j'ai un peu tourné partout, et puis je me dis que sans en avoir marre de la région parisienne, sans avoir des idées de grandeur, mais en me disant j'aimerais bien voir d'autres horizons, donc pour un détail, je pars à Tahiti, sans métier, sinon mon métier de photographe. D'accord. Donc voilà, et là, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je retrouve des gens que j'ai rencontrés sur les plateaux de télé. Bien sûr. Comme Antoine, comme Carlos, comme... Et puis arrivent des gens en vacances, et puis arrivent des gens, oui, qui des fois sont pas très en forme, comme Joe Dassin, qui lui avait eu un problème de cœur. Oui, déjà. Pour un spectacle en juillet, et quand il arrive en 1980, au mois d'août, bah, il a un réel problème de cœur, puisque c'est là-bas qu'il décède. Bien sûr. Et ça fait une belle histoire pour la presse, mais on s'était habitué à lui, quoi. On avait fait des interviews, des photos, et... Donc, entre Antoine, les pilotes de Formule 1 qui font une escale, Johnny Hallyday et des gens comme Harrison Ford ou d'autres comme des pilotes comme Jacques Lafitte, Jean-Yann et Mimi Coutelier, ce sont des rencontres qui ne sont pas simplement lors d'un selfie. Voilà, c'est ça. On les voit, on leur parle, on boit un verre avec eux et puis après on leur donne rendez-vous quand le soleil est plus bas et on fait des photos. Et là... Bah, ils ont attendu, ils sont très contents, et puis ils posent. Ils acceptent qu'on vienne nous aider pour un accessoire et autres, voilà. Mais là, c'est vraiment des rencontres. Bon, j'ai une photo de Sammy Davis Jr., c'est une rencontre à l'aéroport, c'est 10 minutes. D'accord. Ce n'est pas 2-3 jours. Voilà. Donc c'était l'avantage en Polynésie. Maintenant, discuter avec Harrison Ford, en 5 minutes, vous arrivez à faire un sujet sur lui, et une autre fois... j'avais rencontré George Lucas, alors que George Lucas est un monstre au niveau de la réalisation, de tout ce qu'il a créé et ce qu'il a recréé, puisque les Star Wars continuent, multiplient, ce sont ceux d'avant qui viennent après et autres. Monsieur Lucas est très très sympa, vous faites 4 photos, il vous dit merci. Bien sûr. Mais il laisse les bras ballants et il vous sourit, c'est tout. Mais c'est aussi une petite rencontre. Harrison Ford, en 10 minutes, c'était un sujet complet. D'accord. Puis en Polynésie, bah, c'est l'endroit le plus éloigné de la France, avec la Nouvelle-Calédonie. Mais enfin, il y a toujours des présidents qui viennent. Bien sûr, mais justement, c'est la question qui me vient après. Que tu as connu pas mal d'hommes politiques, explique-nous. Tu as travaillé même avec le boss de l'époque. Oui, bah, Giscard d'Estaing vient en balade à Tahiti, enfin pour voir. À l'époque, il faisait éclater la bombe atomique, donc il fallait bien que le président de la République s'en inquiète et aille vérifier où ça en était. Eh bien, là, c'est pendant 8 jours que j'accompagne Giscard, car des hommes importants, des directeurs de compagnies comme Air France ou UTA à l'époque, ont envie d'avoir une photo de Giscard lui, leur serrant la main. Donc, j'approche de près Giscard d'Estaing et je le suis pendant 8 jours. Voilà, tous les jours. Avec discours, avec réception, avec collier de fleurs, avec... voilà, quoi. Oui, parce que tu étais le photographe officiel de Gaston Flosse. Alors...
93 à 96, c'est-à-dire j'étais, j'étais juste journaliste avec Giscard. D'accord. Après, oui, est arrivé Jacques Chirac en 85, où j'étais encore indépendant, mais Jacques Chirac, vous êtes devant lui, vous pouvez rester avec lui. Il a toujours quelque chose à dire, il a toujours quelqu'un à complimenter, il a toujours le sourire. Et les jolies polynésiennes qui posent avec lui sont très heureuses de poser avec, avec le futur président, car à l'époque, il était maire de Paris. Il était, voilà, c'est ça. Et je n'y étais plus lorsqu'il est revenu comme président de la République. D'accord. Alors, tu as travaillé avec des personnalités sur des tournages. Comment tu gérais le truc? Ça va? Ça se passait bien? C'est-à-dire, en tant que photographe, c'est toujours bien accueilli. Maintenant, aujourd'hui, il faut quand même faire attention à l'accréditation et autres. Mais j'ai eu la chance aussi de travailler sur des tournages comme photographe de plateau. D'accord. Donc, là, d'être engagé 3 ou 4 jours par semaine. Avec des acteurs comme Warren Beatty, avec dans le film Les Faussaires où il y avait Gérard Jugnot et Jean-Marc Barr. Jean-Marc Barr, avec qui j'ai gardé des relations, bon, c'est quand même le héros du Grand Bleu, bien sûr, de Monsieur Besson. Mm-hmm. Donc ces gens-là, leurs mails sont toujours valables et quand j'ai besoin d'un détail, je les appelle. Ils me disent attends, excuse-moi, je suis à San Diego. Attends, je suis à Courchevel, attends, mais il y a toujours une réponse. C'est bien, c'est des relations qui sont restées intéressantes. Mais d'autres chanteurs ont été pareils, je les ai longtemps, j'ai longtemps conversé avec eux et autres. Bon, maintenant c'est plus facile, hein, le téléphone avec WhatsApp. Ah oui. On est à combien de décalage? Ok, d'accord, j'appelle. Voilà. On tombe sur lui, voilà. Oui, bon, maintenant, quand John Travolta tourne ses deux films et qu'il vient en Polynésie, qu'il pleut énormément, c'est pas marrant de l'avoir dans les îles, où il se balade en short et à bicyclette et autres dans une toute petite île de Polynésie. Et quand il revient et qu'il y a du soleil et qu'on lui met une couronne sur la tête, ça fait des photos exceptionnelles qui paraissent dans 500 journaux, 600 magazines. Bien sûr. Quand Johnny est invité à une soirée chez des amis et qu'il joue de la guitare, qu'il chante avec un chanteur local, c'est l'époque où il est avec Nathalie Baye, là c'est une soirée fantastique et la finalité, c'était les parutions dans Paris Match, dans VSD et autres. J'étais vraiment très bien placé parce que nous n'étions pas 10 à courir après ces gens-là. D'accord. Je m'intégrais assez facilement avec eux, ils m'acceptaient. Et une fois que vous êtes... Johnny, c'était une fois que t'étais là, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ils vous disaient, quand je bois du vin, pas de photo. Quand je fume, pas de photo. Voilà. Et si je ferme les yeux, pas de photo. Alors moi... Normal. Je faisais développer les diapos et le lendemain, je donnais rendez-vous à Johnny... Je lui disais, je viens te voir. Ça me permettait de le revoir une nouvelle fois et dire, voilà, j'ai 20 diapos pour toi parce que c'est celle où tu fermes les yeux, où tu as fumé et où je n'ai pas vu et j'ai fait les photos. D'accord. Donc il était très content d'avoir les diapos qu'il ne fallait pas faire publier. Bah ouais, tu jouais le jeu, donc c'était bien. Vous allez entendre la chanson de Israël Kawiwo, Olé, composée en 1990, rappelez-vous. Alors, tu as connu de grandes stars personnellement, explique-nous. Donc, par exemple, Marlon Brando. Oui, je suis parti pour la première fois en 75 à Tahiti. Évidemment, dans l'avion, je rencontre les stewards et tout. Et je leur demande tout de suite, mais est-ce que Marlon Brando vient souvent à Tahiti? Et oui, il vient quelques fois, on l'a à bord et tout. Très sympa et tout. Et moi, j'attendais quelques années plus tard, pour une première fois, il arrivait, je vais le voir à l'aéroport.
Donc on fait des photos sans problème, il refuse jamais. Par contre, pour parler, c'est plus court. Il répond oui, non, je ne sais pas combien de temps je vais rester. Oui, ben c'est, oui, avec plaisir et tout. Il parle français. Il a eu deux enfants là-bas avec une jolie Polynésienne avec qui il a joué dans la Bounty de 1961, un film qui a failli couler la MGM parce que tellement il avait des caprices de star. Des exigences, ouais. Un exemple, sa femme avait un cousin dans la presqu'île à 60 km qui faisait des fruits et des légumes. D'accord. À cette époque, c'était des 403 Peugeot décapotables, enfin, pour transporter du matériel. Son cousin à Tarita avait cassé sa voiture et donc il arrive sur le tournage le lendemain. Bonjour, je ne tourne pas. Mais bon, d'accord. Je ne tourne pas. Eh ben, tu vois, Tarita, son cousin, il fait des légumes qu'il livre tous les jours à Papété, mais il a cassé sa voiture. Donc, vous lui payez une voiture, et à ce moment-là, je continue à tourner. Ah, carrément. C'était ça, Brando, mais il y en a eu d'autres. Dans Apocalypse, c'était énorme. C'est énorme. Et d'autres détails comme ça, j'avais un ami, Guy, dans Gomazino, son père était assistant de Brando. Oui, oui, oui. Bon, il était assistant jusqu'au bout, puisqu'un jour, ils sont allés en voyage au Mexique, mais ils ont dû faire des bêtises, ils se sont trouvés en prison. D'accord. Mais bon, ils sont sortis le lendemain. Voilà, c'était Brando. Mais Brando, d'ailleurs, Claude Lelouch n'a-t-il pas dit dernièrement qu'il ne voulait pas tourner ni avec Steve McQueen ni avec Marlon Brando? D'accord. Il a tort parce que j'ai connu les deux. Ah oui. Oui. Écoute, nous, on l'a eu au Festival de Cannes. Il a été assez sympa. Bon, il a joué le jeu. Alors, explique-nous aussi ta belle relation avec Antoine. Alors, le chanteur. Antoine, c'est très facile. C'est-à-dire qu'un jour, je crois que c'était à Cambrai, Lynn Renault s'était occupée des Osmond Brothers. D'accord. Et je vais à Cambrai pour faire des photos, comme ça, parce que j'avais su. Mais en fait, il n'y avait pas d'indicateur, il n'y avait pas dans les journaux, il y a les Osmond Brothers à Cambrai. Donc j'étais allé, parmi les spectateurs, Antoine en costume croisé. D'accord. En costume croisé, vous avez bien entendu. Bien sûr. Et donc, il dansait sur les Osmond Brothers. Là, j'ai pris contact avec lui. Et c'est en 75 ou 76 qu'il arrive pour la première fois en Polynésie. D'accord. Donc, l'ayant déjà rencontré avant les années 70, donc je prends contact avec lui, il accepte les photos. Puis un jour, il raconte dans un magazine, ouais, à l'aéroport, il y avait un photographe. Non, je ne crois pas qu'il utilise le mot paparazzi. Il dit, mais très très sympa, un photographe respectueux, je ne sais quoi et tout. Et depuis ce jour-là, ben, on s'est revus parce qu'il est venu plusieurs fois. Il a trouvé une jolie femme là-bas, il a eu des enfants, ça il n'en parle pas. Je vais être discret s'il m'entend. Bien sûr. Il va m'en vouloir, surtout que j'ai les photos. Mmh. Et donc, après il est reparti, revenu, et après il a commencé à faire ses petits tournages en Polynésie avec l'aide d'une boîte de production. D'accord. Et comme il a réussi à en faire 150 000 exemplaires en vente en DVD, en cassette vidéo à ce moment-là, la société de production, société de Clint Eastwood qui produit. Elle passe aux productions. Ouais, mais le. Ah, la Warner. La Warner. La Warner. Ouais. La Warner lui a dit, écoutez, Antoine, vous faites autant de ventes en cassette vidéo que la Warner en fait avec Clint Eastwood. Eh bien, on va vous demander de nous faire des îles. Ouais. Au départ, l'île de la Polynésie, les îles de Polynésie, mais après, des îles où il y a de la neige, des îles au froid avec le Canada et autres, les îles de Madagascar. Et lui, il a développé ça en revenant régulièrement chez Drucker, par exemple, pour faire sa promotion, pour lancer des images. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop où il est, peut-être au Tuamotu, peut-être en Nouvelle-Zélande. J'ai un numéro de téléphone, mais j'ai du mal. Ah oui, si tu m'entends, Antoine, appelle-moi. D'accord. Ah oui, il voyage tout le temps, quoi. C'est pas où il est, d'ailleurs. D'accord. Tu as travaillé avec Julio Iglesias. Alors là, c'est une belle relation, tu m'as déjà dit. Explique-nous. Ben, j'ai une chance. En 1980, on apprend que Julio y vient pour tourner un film pour CBS en Polynésie. D'accord. Donc, je vais, je me présente et tout. Et donc, ben, je pense pas qu'on était beaucoup encore comme photographe. Je le répète, parce qu'aujourd'hui, ouais, mais vous êtes toujours 15 ou 20, il y a des paparazzis partout. Non, non. Non, non. Non, non, ils étaient en train de dîner et on était là. Évidemment, les musiciens, Julio Iglesias, ils s'aperçoivent, ils commencent à jouer des musiques de lui et lui approche avec le chanteur local, John Gabilou. Ouais. Et ils font un duo. D'ailleurs, ils s'étaient assis tous les deux parce que dans un contrat, ils ne devaient pas chanter en Polynésie, donc ils ne pouvaient pas chanter debout. Ils s'étaient assis sur l'estrade. Et donc, Julio, bah, moi j'ai fait de très belles photos de lui, et puis elles sont parues en Espagne sur 10-12 pages. Super. Et quand 6 mois après il est revenu, il m'engueule.
Pas content? Tu n'as pas compris que mon meilleur profil, c'est « Oh là là là, excuse-moi, mais... » Et après, comme il avait séduit une jolie polynésienne qui s'appelle Vaïkaré, eh bien, son papa lui a dit « Mais non, c'est notre ami photographe, donc tout. » Et après, je l'ai revu à plusieurs reprises. Souvent, il s'arrête en Polynésie pendant 2 jours ou 3 jours, puisqu'il a son avion personnel, et s'il va faire 5 concerts en Australie, ben, quand il revient, il est fatigué, et il vient au soleil 2-3 jours. D'accord. Et là, donc, je le revois, et un jour, je le... retrouve à Bora Bora, je lui mets un petit mot et je lui dis je suis là, et le matin à 8h il est au restaurant de l'hôtel, il me voit, lui il est en un peu en short, un ouais, peu pieds nus, décontracté quoi. Ah, Christian mon ami, comment vas-tu, tu es là, oui, tu as vu, il fait pas beau, hein. Alors tu as vu mon avion à l'aéroport, oui, oui. 30 millions de dollars mon avion, j'ai mis 2 pilotes là, il dort, écoute, je vais te ramener à Papeete. D'accord. Là, dans son gros man G4 immatriculé F769J, mon souvenir est bon, donc il m'emmène du bateau dans le bateau de l'hôtel à l'aéroport, et puis il m'embarque pour Tahiti, 40 minutes de vol, mais c'est les 40 minutes les plus courtes que j'ai passées dans un avion. D'accord. Miranda donne une bière à Christian, je me souviens, donc Miranda, sa femme, me sert une bière, voilà, et on arrive et il me dit, tu vas pas partir, je t'invite à déjeuner. Donc il m'invite à déjeuner, il me fait choisir des vins qui valent $300 à New York. D'accord. Il me dit, celui-là, c'est 300, prends, il est qu'à $100. Et, non, non, mais il mange de la viande après. Non, mais attends, Julio, oh, oh, je suis venu pour faire des photos, là. Et donc, j'ai fait quelques photos à son départ. Lorsque, bien qu'il y avait à l'arrivée 2 autres photographes de mes amis qui m'ont vu descendre la passerelle. Là, ils étaient assez mécontents. Eh oui. Parce qu'ils venaient pour photographier Julio. Eh oui. Et en repartant, je dis, écoute, Julio, j'aimerais bien avoir des photos. Il me dit, oui, oui, t'inquiète pas, on va monter. Je vais monter la passerelle. D'accord. Et vous allez partir. D'accord. Ok. Mais une fois que vous êtes parti, tu te retournes et tu verras, je refais baisser la passerelle et j'apparais avec Miranda à la porte de l'avion et là tu fais 3 photos. D'accord. Et il me l'a fait. Les autres ont été surpris et j'ai fait mes photos. Bravo. Qui m'ont permis encore d'avoir 2-3 petites parutions. Mais avec lui, c'était quand même régulier et en fait, il avait vécu une belle histoire d'amour avec Vaïtiaré. Ouais. Hirschon, et cette Tahiti restait pour lui encore depuis longtemps une escale possible, puisqu'il avait son ami aussi, le chanteur Gabilou, qui chantait en duo avec Johnny à une soirée avec la Johnny Hallyday. Voilà. Qu'est-ce que c'est passionnant! Oui, c'est simple pourtant, mais c'est vrai que c'est des bons moments. Sont anciennes, mais Julio Iglesias qui m'invite à manger, on est 3. Ah ouais. Il y a sa femme, lui et moi. Bravo! Même les pilotes, ils sont je ne sais pas où, à côté. Enfin, donc ce qui veut dire, c'est vraiment... c'est un vrai gentil. Bah, c'est un peu comme Johnny, quand vous êtes là, il vous... Enfin, je ne sais pas, les photographes qui ont travaillé, j'en connais, avec Johnny. C'est vrai que quand vous êtes là, à côté de lui, bah, vous êtes là, puis c'est tout. Puis il sait très bien ce que vous allez faire comme photo, et puis, les yeux fermés, comme Johnny. Donc, ah ouais. Et Julio, c'est pareil. Bon, le coup du mauvais profil, d'ailleurs, je ne me rappelle plus quel est son meilleur profil. Moi, je lui redemanderai. C'est pas grave. Je lui redemanderai à l'occasion. Alors par contre, t'as un pote qui est très connu, puisque c'est notre ami Yves Régnier, le commissaire Moulin, qui était passionné des îles, puisque tu m'as dit c'est un des gars qui a fait le plus d'aller venu là-bas. Ouais. Bah, Yves Régnier, c'est en 68 à Ibiza où je cherche quelques acteurs déjà, parce que j'étais allé travailler dans un laboratoire de photos. Et donc c'est là que je rencontre Jean-Pierre Aumont, c'est là que je rencontre d'autres acteurs, dont un qui avait été le mari d'Elisabeth Taylor. Ouais. Et il y avait donc Yves. Et Yves venait tourner 2 séries, je crois, Belphégor et puis Les Globetrotters. Exact. Et donc je le contacte, je vais dans sa villa et on fait des photos de lui avec un chapeau de cow-boy, évidemment au soleil, très bronzé et tout. Ouais, beau gosse. Ça a été mon premier contact. Alors évidemment, quand j'y pense, c'est quand même 1968. Donc quand on se revoit, parce qu'au festival de Monte-Carlo, il vient quelques fois, et puis je l'ai eu au téléphone, et en Polynésie, il est revenu 15 fois. C'est ça. Donc je l'ai fait en plongée avec sa fille, avec sa femme. On est même allé dans le journal dans lequel je travaillais. Bonjour, je vous présente le commissaire Moulin. Ah, Régnier, comment allez-vous et tout. Et donc, à force, on me dit, oh là là, ça fait longtemps. Hein. Ah ben oui, ça fait longtemps. Et moi, bon, j'en suis à... oui, 50 années. Ouais, et on a 5 ans, je crois. C'est ça. Et on a une relation en commun à Alain Figlars, le cascadeur, qui a commencé avec lui sur les moulins.
Et la dernière fois qu'on l'a vu, Alain, il nous a promis qu'on le verrait tous ensemble. Mm-hmm. On espère qu'on le verra. C'était marrant l'anecdote, c'est que, ouais. C'est que moi je parle à Figlars de Régnier. Et oui. Et Régnier appelle Figlars. Ouais, dans la minute. Et Alain Figlars me fait voir le téléphone, il me dit, tu le connais ? Ouais. J'ai dit, oui, je le connais. C'est dingue. Il me passe le téléphone, je décroche et je dis, salut Yves, comment vas-tu ? Et l'autre, Pinson, qu'est-ce que tu fais là ? C'est vrai. C'était très drôle. C'est une anecdote, mais c'est marrant. Bon, même si c'est des gens, c'est pareil. Les gens du spectacle, on croit qu'ils sont toujours ensemble, mais ils sont rarement ensemble. Non. Ils sont dans des émissions. Bien sûr. Moi, c'est pareil. Il y en a que je n'ai pas revu depuis 25 ans, 30 ans, ou il y en a que j'ai revu tous les 2-3 ans, et puis il y en a que je ne revois pas pendant quelques années. D'une manière, en tant que photographe, si vous n'êtes pas proche de quelqu'un et que vous ne fassiez pas les photos pour lui tout le temps, donc vous n'arriverez pas à faire un livre sur lui comme c'est des photographes évident. De Depardieu ont fait, qui ont fait un bouquin de tout. Bien sûr. Son âge, sa vie privée et tout. Bien sûr. Mais bon, Régnier, c'était vraiment très, très, très amical et depuis de nombreuses années. Ouais. Et puis il adore plonger, il continue, puisque là, continue, ouais. Je suis son Twitter, il est toujours en train de se baigner. Hein. Quelle vie fabuleuse il a. Oui, mais enfin, il a du talent. Ah oui. Il est acteur, ouais. Il est réalisateur, il a bien fait ses histoires. Même, il a eu des problèmes parce qu'il donnait à peu près les mêmes noms, non, des noms différents et d'autres. Tiens, il y a une anecdote, on est en... Quand Lady Diana meurt sous le Palma, tu me l'avais dit. C'est, ouais. C'est le capitaine Baril qui l'appelle de France. Donc, c'est ça. 19h, on va déjeuner. Connaissance en commun encore. Oui, ben, Baril. Il est obligé d'avoir des flics, des super flics. Bien sûr. Pour expliquer les scénarios et les préciser exactement pour ne pas que ce soit bidon. Bien sûr. Avant, c'était bidon. Avant, on voyait des choses bizarres dans les films et on ne savait pas. Maintenant, on sait. Ils ont intérêt à être tenus. Il y a des super flics. Dans les séries police criminelle à New York, ils sont assistés par un super flic, par un ancien flic. Bien sûr. Non, mais ça, c'est normal. Mais Régnier est un singe sacré. Je lui demandais comment il faisait pour réaliser, pour jouer. Et en plus, il cible des histoires. Ah, on voit la dernière histoire, Jacqueline Sauvage, oui, avec oui. Olivier Marchal et Muriel Robin. Super, ça fait un carton. Et, oui. Et donc, voilà, il est pas mort, hein, Yves Régnier, il travaille. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a supervisé, je crois qu'il a réalisé un film sur un tueur en série, mm-hmm. dont sa fille mm-hmm. a failli être enlevée par ce même tueur en série dont il a réalisé le film oui. avec... Mathilde Seigné. Oui, 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 c'est elle qui jouait la commissaire, là, mm-hmm. qui a suivi l'enquête, et sa fille a joué dedans. Sa fille qui s'appelait Samantha et qui est absolument merveilleuse. Du moins, je l'ai connue il y a quelques années. C'est ça. D'ailleurs, on a reçu début d'année Patrick Poivet qui a fait 16 épisodes avec lui. C'est un grand copain. On nous a expliqué que lui, il a vu travailler, évidemment, et il a dit vraiment, c'est un très, très, très grand pro. Hein. Derrière la caméra, en tout cas, c'est un dieu, quoi. Poivet l'adore. Hein. Et quand c'est lui qui écrit, ah ouais. et quand c'est lui qui trouve l'histoire, bien et sûr. Qui la met en forme, là je lui demandais quand il venait en Polynésie, mais comment tu peux faire pour tout ça ? Parce que c'est quand même maîtriser l'ensemble. Bien sûr. Les réalisateurs aujourd'hui peuvent suivre un synopsis, un découpage. Ouais, bien sûr. Ils ont une minute trente à faire, ils ont 45 secondes à faire, et après le montage c'est écrit par quelqu'un d'autre. Mais le gars qui écrit pendant 2 ans quelque chose et bon. Ça me rappelle Jean-Christophe Averty qui avait une espèce de petit carnet avec ouais, des doublaines et qui faisait glisser les petits papiers découpés entre d'autres petits papiers découpés de différentes couleurs, les morceaux de laine de différentes couleurs. Et il faisait voir à ses assistants en disant « Tu vois, Coco, tu vois la caméra. » Et comme le gars, les caméras, il les faisait bouger, mais pas en même temps parce qu'il y en avait 3 qui bougeaient dans le même sens, mais il gueulait sur le plateau. D'accord, ben écoute, on fait une bise à Benoît Hamann, hein, la voix de Morgan Freeman, que j'ai interviewé aussi, et qui a travaillé longtemps avec lui. Hein, il nous écoute, je le sais, des fois il m'a dit, Thierry, j'écoute en podcast, je dis, ben, c'est vachement sympa, et d'ailleurs il a fait une belle voix à notre grand patron, et aussi Ben Avraham, qui le matin nous la sort tous les deux heures, hein, toutes les 2 heures ça sort, hein. Écoute, c'est super. Nous, on se connaît depuis longtemps. Et puis, d'un seul coup, on en avait parlé tous les deux, mais d'un seul coup, tu t'es décidé, et c'est bien. Tu prépares un livre sur ta carrière. Oui, ma carrière, oui. Oui, avec un petit C, oui. Ouais, ben, un petit C, écoute, quand je vois ton livre, hein, il est sur le plateau, toutes les photos que t'as fait,
Et là, tu as la photo de François Perrault qu'on a connu, hein, ce brave François qui est décédé il n'y a pas longtemps. Eh oui, souvenez-vous, les Morphalous. Les Morphalous, hein, où il fait pipi et, sur le fil électrique. Et Marie Laforêt qui dit on pour une fois. Qu'elle dit. Est-ce qu'on peut le dire à la radio ? Oui, on peut le dire, je l'ai dit. Pour une fois que mon mari fait une des étincelles avec sa bite. Oui, c'est super. J'ai fait une émission spéciale Perrault il n'y a pas longtemps, où on a fait un beau montage sur son émission, sur sa carrière. Alors, ce livre, je le vois, il est beau. T'es au commencement. Comment tu vas faire ? Parce que t'as connu qui ? T'as pas connu, toi ? Non, non, il y en a beaucoup que j'ai pas connu. Quand même ! Ouais, j'ai raté De Niro parce que dans ses réservations, pour embêter le monde, il met De Niro. Alors, on n'est pas obligé de comprendre que c'est De Niro. Ah, d'accord ! Alors, derrière la feuille, au verso de la feuille, il y a marqué De Niro. Alors, si on me dit De Niro, non, je connais pas Monsieur De Niro. Oui. Mais je fais pas le rapprochement. D'accord. D'ailleurs, Jacques Brel, qui était sympa aussi, enfin, que j'ai connu, on était un peu fâchés au début. Oui, j'allais te le dire. Eh ben, quand il remplissait sa fiche d'avion, il mettait Monsieur Birel. D'accord. Si vous voyez Monsieur Jacques Birel, vous n'êtes pas obligé de croire que c'est Jacques Brel. Ah, ben, donc, bien sûr. Il passait à travers. D'accord. Oui, ça, c'était leur technique pour ne pas être embêté, évidemment. Bonne technique, Monsieur Denir. D'accord. Alors, t'as eu une belle relation aussi avec Mike Brandt, explique-nous. Ben, Mike Brandt, c'était à l'époque où c'était des photos noir et blanc, et Mike Brandt passait dans une boîte de nuit à Meudon-la-Forêt. D'accord. Alors, elle était tenue par un monsieur qui s'appelait René Liotou, qui était un monsieur normal, sympa et tout. Mais par contre, dans Thierry Lafronde, il y avait le Chevalier Noir qui jouait. Ah, ça vous rappelle, il y a des anciens qui écoutent. Et le Chevalier Noir était le monsieur qui était l'un des directeurs. D'accord. Et donc j'étais invité, donc... Il répétait le jeudi, le vendredi, et le samedi soir, j'allais en boîte. Donc, il répétait tout seul dans la salle, et là, il pouvait utiliser sa voix au maximum, et c'était assez extraordinaire. D'accord. Pour les quelques invités qui étaient là, comme ça, qui étaient copains et autres. Bien sûr. Et après, il entonnait ses chansons, mais très, très fort. Il montait sa voix et autres. Et donc, pendant un mois et demi, quand il allait à RTL, chez Monsieur Philippe Bouvard, je crois. Oui, ah, parce oui. que Philippe Bouvard lui dit... Mais Mike Brandt, ça fait 6 mois que vous êtes en France et vous ne parlez même pas le français. Ah, monsieur Philippe Boulevard, je suis désolé, mais c'est pour j'essaye ça. Et tout, voilà. Ah oui, voilà. D'accord. Voilà. Donc là, j'étais à RTL non-stop. Et puis après, on allait boire un verre en face dans le café. Et donc, je l'accompagnais, mais pendant un mois et demi, je l'ai vu pratiquement tous les jours, tous les deux jours. D'accord. J'aurais dû faire plus de photos que ça, mais j'en avais fait assez. L'avenir, je ne savais pas et tout. Et aujourd'hui, oui. J'ai eu la chance d'avoir une photo qui a été prise pour un DVD. Mm-hmm. Et je suis en contact avec sa nièce, Yona Brandt. Oui. Mais je ne la connais pas. On s'est parlé au téléphone. Eh bien, écoute. Mais j'espère la rencontrer un jour. Enfin, je vous vois. Et à chaque fois qu'elle fait la fête pour l'anniversaire, enfin, je pense qu'elle fait une soirée Mike Brandt à Paris, elle m'a invité à chaque fois. D'accord. Mais c'est Paris. Ben, bonne nouvelle. Nous, on a quelqu'un qu'on a connu. Et Yossi va l'avoir en interview le matin, dans 7h-9h. Yona est très gentille, elle m'a dit, écoutez, je suis désolé, je suis beaucoup en Israël, bon, pour mon oncle, hein, c'est ça, bien sûr. Donc je viens, et c'est vrai qu'elle tient beaucoup, elle me l'a dit, hein, personnellement, elle m'a dit, je tiens beaucoup à ma vie de famille, j'ai 2 enfants, et je ne voudrais pas, des fois, hein, que je m'en occupe pas. Et elle a un mari qui a beaucoup de boulot, donc elle lui donne aussi un coup de main, mais à côté de ça, elle a cette association Mike Brandt qui, hein, lui prend du temps. Mais elle va pas tarder à plier aussi, dans pas longtemps, dans le 7h-9h, et j'espère qu'elle viendra ici sur le plateau. Personnellement, elle n'a pas fait de cinéma, mais j'espère que Yossi lui fera une belle émission, et on entendra parler de Mike Brandt. Alors, ton fils est chef opérateur à Tahiti, un chien fait pas des chats. En fait, il avait fait, je crois, scientifique ou autre, et puis il savait plus... faire et je l'ai emmené à Montpellier dans une école de cinéma qui s'appelle Studio je ne sais plus quoi. Il a fait un petit stage à Monaco avec des gens qui s'occupaient de la Formule 1. Et puis après il est rentré en Polynésie et là il y a eu dans les années 2001 donc une demande de film institutionnel, publicitaire et autres. Il a commencé et il s'avère que les agences de pub l'ont utilisé. Ils sont plusieurs à faire aujourd'hui, des documentaires et autres. Et mon fils a la chance de travailler aussi avec une autre antenne de France, enfin de la télévision, en Nouvelle-Calédonie. Donc, ils se partagent entre les deux pays, mais
ça lui est arrivé de suivre un surfeur polynésien qui mm-hmm. faisait du longboard mm-hmm. et donc d'être envoyé avec un budget, ça c'était il y a quelques années, mm-hmm. À Yokohama, à Biarritz, et puis dans un autre endroit où il y a des vagues, et donc il a fait un film qui est passé jusqu'à 25 fois sur France 3 et sur la 2. D'accord. Mais aujourd'hui, il a fait quelques productions personnelles sur des histoires qui sont en Polynésie, telles que l'adoption, mm-hmm. les gens qui adoptent des enfants et qui les suivent après en France. Et d'ailleurs, on a vu maintenant des fictions avec, par exemple, Bernard de la famille formidable. Bernard Lecoq. Bernard Lecoq, qui se retrouve un jour chez lui avec une jeune Polynésienne qui est sa sœur. D'accord. Il a déjà 50 ans. C'est parce que son père est allé en Polynésie, il a rencontré une femme et sa sœur vient le voir en France et s'installe chez lui, mais avec ses manières polynésiennes, les horaires et tout, elle s'en fiche et tout, mais c'est un très beau téléfilm. D'accord. Donc Il est chef op là, il est. Non, il est deuxième assistant. C'est une boîte de production, il est réalisateur. D'accord. Et aujourd'hui, il travaille beaucoup sur des sujets. Institutionnel pour l'hôtel de Marlon Brando, le Tetiaroa Island. Ouais. Et il travaille de près avec le Big Boss, mm-hmm. qui est patron d'hôtel en Polynésie et d'un bateau qui s'appelle le Paul Gauguin. D'accord. Et il est très content de son travail parce qu'au retour de Tahiti, je le croisais à Los Angeles, je rappelais qui j'étais parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il m'a dit oui, mais ton fils. Il travaille très très bien, il est très sérieux, il est très gentil, il est très professionnel. Évidemment, le surlendemain, j'étais rentré en France et j'appelais mon fiston et je lui ai dit tiens. Surtout que la veille, il m'avait fait voir un petit film qu'il lui envoyait en vidéo, puisque l'île de Tetiaroa se trouve à 20 km. Bien sûr. Il voulait le visionner, le patron de l'hôtel de Tetiaroa du Brando Island, du Brando Hotel. Et donc j'avais vu le film et je dis justement au patron, à Dick Bellet, le film, je l'ai vu hier. Ah, il me dit, je l'ai visionné, c'est formidable. D'accord. Vraiment, ton fils, ça fait plaisir maintenant. Bah oui. Moi, j'étais dans la photo. Alors, moi, mon métier de photographe, avec tout ce qui me reste aujourd'hui, j'ai un album, j'ai un livre. Magnifique. J'ai écrit, c'est fantastique, c'est formidable. Magnifique. Mais pour moi, c'était facile. Il fallait simplement que je me lève le matin à l'arrivée des gens. Oui, bien sûr. C'était mon principal travail. Je n'ai aucun mérite, ni en technique, ni... Non. Bon, si, les appareils photo, fallait les régler il y a 25 ans ou 30 ans. Mais je n'ai pas de mérite par rapport à ce que fait mon fils, puisqu'il a une entreprise, il a des assistants, il engage des gens au coup par coup. Bien sûr. Et quand on lui confie 30 000 euros pour aller faire un tour à travers le monde et suivre un surfeur, voilà. Oui, il faut gérer. C'est un chef op, il a quand même l'habitude, il est devenu réalisateur maintenant, il connaît son boulot. Hein. Eh oui, Archipel Production, Denis Pinson. Denis Pinson, Archipel Production, c'est noté. Puisque... Mais c'est de la pub là. Non, mais si un jour on fait un travail avec lui, pourquoi pas. Ah oui, surtout qu'il est déjà avancé sur un certain sujet qu'on aimerait faire. D'accord, super. Vous allez entendre la chanson de Jacques Brel, composée en 1962, Une île, album Les Bourgeois. Une île au large de l'espoir, où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne serait point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Une île au large de l'amour, posée sur l'autel de la mer,
satin couché sur le... Alors cette chanson, c'est pas un hasard, tu as eu la chance de voir Lelouch et Jean-Paul Belmondo le jour qu'ils ont tourné le morceau d'Itinéraire d'un enfant gâté là-bas. En fait, je n'ai pas pu accéder à Lille, mais le matin, où ils sont arrivés. D'abord, Claude Lelouch était venu et on avait fait une interview de lui avec sa femme, Marie-Sophie L. D'accord. Et donc, on avait à peu près l'histoire, puisque cette histoire du film, mm-hmm. qui se tournait partout, c'est-à-dire au lac Victoria, à San Francisco, avec sa vie d'aventurier dans le film. Mm-hmm. Donc, 6 mois après, ils viennent tourner. Et là, donc, on les accueille à l'aéroport de Tahiti. Mais malheureusement, le film est fermé. Il y avait un photographe de plateau. Ils n'acceptent pas de journaliste. D'accord. Donc, pratiquement, ce qu'on sait après, en parlant avec les techniciens, c'est que pour 2, 3 ou 4 minutes du vol de l'oiseau au-dessus des mains que Jean-Paul Belmondo lui offre à manger, en fait, ils ont fait 5000 mètres de film, à peu près. Et ils ont tourné 30 heures. 30 heures d'hélicoptère, pratiquement. Oh. 30 heures, c'est quand même un film de 5000, c'est quand même 5000 mètres de film, et ça fait quand même un beau documentaire, quoi. Ah oui, ah oui. Bon, et donc, il y a eu une fête le soir où nous n'avons pas non plus participé chez des gens, et donc, on a eu après les détails avec des gens qui sont restés un jour ou deux. Bien sûr. Et bon, bah, rencontrer Lelouch et Belmondo, les deux. Belmondo, enfin, quand même, il a passé 3 jours, et il est revenu en vacances. Il était déjà venu en vacances. Il avait déjà tourné en 67 une partie du film Tendre Voyou. Oui. Un film de Jacques Becker. Bien sûr. Donc, il est revenu souvent en Polynésie. Maintenant, les deux les avoir en interview plus ou moins quelques minutes, mais interdiction sur le film, ce qui n'était pas grave. Hein, oui. Mais ceci dit, j'ai revu Claude Lelouch dernièrement et je voulais qu'il me parle de ce tournage et puis, président d'un film, d'un festival de films, bon, il n'a pas eu le temps. Mais ceci dit, j'ai eu la chance de le croiser pendant 8 jours et de lui parler tous les jours. Donc ouais. C'était formidable. Superbe. La semaine prochaine, on reçoit une comédienne réalisatrice scénariste que j'ai rencontrée dans une soirée au Festival de Cannes, grâce à notre comédien déjà interviewé, Arsène Giroyan. Elle prépare son long métrage, elle va nous expliquer les rouages du montage de son long, de sa vie de cinéaste qui est bien remplie, une émission qui va nous apprendre son métier à fond, une émission qui va nous apprendre aussi comment on pratique ce métier du 7e art, car beaucoup l'improvisent. N'oubliez pas d'aller écouter toutes nos personnalités, leur podcast en entrant dans le site de la radio, l'émission est en direct le lundi soir et en différé le mercredi soir. Pour les deux soirées, les émissions sont de 21h à 22h. Vous pouvez nous laisser vos réactions dans le mail de l'émission ecranlarge.rcn@gmail.com. On vous embrasse tous, merci à tous et à la semaine prochaine. Large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast. Écran large avec Thierry Genovese.